Salut agent 327. Ici commence pour toi une nouvelle série de missions. Hold up de la banque. Une série de missions sur un thème pour réussir à voler, dérober et protéger le butin que tu as pris. En route pour cette nouvelle mission numéro 1. Alors c'est ici que se passe ta première mission. Sur un terrain bâche agrandi, dans les deux parties, avec des immeubles de part et d'autre qui représentent une allée principale, des immeubles sur le fond, une place de ville avec au centre la banque. Terrain dégagé, très difficile à prendre, il va falloir être super discret et surtout super rapide. Pour cette mission, c'est pas bien difficile, mais tu dois être rapide, efficace et pressé. Ton robot doit être posé sur la ligne de départ qui est le bord du terrain. Tout ce qui touche le sol, donc la première partie qui touche le sol, doit donc toucher cette ligne. Si tu as une pièce plus en avant qui touche, bien sûr, le robot va partir plus comme ceci. Partir, faire le tour, peu importe que ce soit en carré, en losange, en hexagone, en ellipse, ce que tu veux, et il doit revenir dans l'allée. Aussitôt que tout le robot a passé la ligne ici, le chronomètre s'arrête. L'équipe ou l'individu qui a réalisé ce tour complet le plus rapide aura donc des points supplémentaires. Le deuxième aura un petit peu moins de points. Le troisième n'aura pas de points supplémentaires, mais les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes et suivants auront des points de pénalité. Donc il va falloir être très rapide. Un conseil pour ceci, charge bien tes batteries et surtout optimise au maximum ton tracé. Plus tu es précis, plus tu es rapide, plus tu as de chances de gagner. Attention, tu as 90 minutes pour réaliser toute cette mission. C'est très court, il va falloir être vraiment très efficace. 90 minutes à partir de maintenant. Et tu as les dimensions pour comment poser les éléments sur le terrain de jeu liées à cette vidéo. Bonne chance et on se retrouve tout bientôt pour la mission numéro 2.